Je suis ravi de vous retrouver dans votre podcast quotidien et Kylian et le Faux Quintet avec au programme trois rubriques, feu rouge pour mon impasse, feu orange pour mon coup de folie et enfin feu vert. Mon coup de foudre en fin d'émission, je vous révélerai mon ticket pour décrocher le pactole. Sur la grille de départ du Quintet de Feur, 14 compétiteurs de 6 à 10 ans répartis sur deux échelons de départ vont se défier sur la distance de 2850 mètres. Feu rouge, je freine avec le 13 Formi. Souvenez-vous qu'il avait pris la clé des champs dans un quintet à Vincennes au mois d'avril, s'imposant comme à la parade. Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts. Lors de sa dernière sortie, il a accusé le coup pour finir. C'était beaucoup moins formidable. Feu orange ralenti avec le 14, Flicka Jewelry. Madame a des sautes d'humeur. Lors de ses deux dernières tentatives, elle avait course gagnée quand elle a échappé à la vigilance de ses pilotes. Du banc de classe, le rat d'un quintet l'an passé, elle revient sur une piste où elle s'était imposée pour son unique sortie. Ça passe ou ça casse. Feu vert. J'accélère avec le 3 Eradatu. La grande sœur utérine de Crack Time Atu va évoluer dans sa meilleure configuration, plaquer des antérieurs et déférer des postérieurs. L'épreuve va sûrement se disputer à un rythme élevé sous l'impulsion d'Arit Sassi, un scénario qui va servir les intérêts de cette pisteuse, base très très solide. Pour mettre le feu aux poudres, je vous propose un quintet plus combiné flexi 25% avec le 2, le 14, le 3, le 9, le 4, le 12 et le 8 pour la somme de 10,50€. N'oubliez pas, si vous voulez aussi mettre le feu au quintet, rendez-vous sur vos plateformes de podcast préférées et n'hésitez pas à vous abonner à notre émission quotidienne pour avoir accès à tous les épisodes à venir, sans oublier de laisser un commentaire et une note.